Ce sera qui du côté des Seals? Stan, Zézé. A-t-il compris le principe? Oui. Je pense que oui. On échange. On échange. Sans répéter. Sans répéter. Par exemple, tu as dit sans répéter, tu ne devras plus dire sans répéter. Absolument. Non, ça, c'était juste pour l'essai. Bien sûr. Dans tous les cas, c'est le buzzer qui va déclencher la conversation. Il faudrait actionner le buzzer et dire « arrête-moi si tu peux ». C'est la formule consacrée avant de déclencher cette affaire. À toi l'honneur. Arrête-moi si tu peux. Ok, top chrono. Tu as bien compris le principe. Très bien compris. Donc, logiquement, tu ne devrais pas te répéter. Me semble-t-il. Nous sommes d'accord sur le principe. Tout à fait. Ok, parfait. D'accord. Est-ce que tu pourrais succinctement peut-être présenter Bloomfield Investments aux téléspectateurs? Bloomfield est une agence de notation financière. Mm-hmm. Le rôle d'une agence de notation financière... Ça fait deux fois agence. Et deux fois financier. Vous perdez un point, vous tombez à 23. Non, 22, 25. Non, ils étaient à 24. Ils étaient à 24. Ils à 23. Je vais me tourner à présent vers les Rangers. Qui sera le représentant? Ce sera Gilles, évidemment, qui a compris aussi le principe. Il faudra actionner le buzzer et dire « arrête-moi si tu peux ». Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Merci beaucoup d'être là, Gilles. Ça nous fait plaisir de t'avoir. Comme d'habitude. C'est cela. Mais écoute, comme, pour respecter donc la forme, est-ce que tu pourrais nous présenter Weblogy, succinctement? Société, média, fintech. Je n'ai pas saisi, pardon. Entreprise dans la presse. Oui. Et dans le paiement. Ok, le paiement mobile, je présume. Ou peu importe. Électronique, mobile, on est sur quoi, pardon, sur les plateformes digitales, essentiellement? Virtuelle. Virtuelle, ok. Qui a été créé en quelle année? En 98. Ça veut dire quoi, 98? C'est une année. Mm-hmm. Donc on pourrait dire, cette année, c'est notre année. Fais ce que tu veux. Ça peut marcher aussi, ça. Je pense. Parfait, d'accord, très bien. Est-ce qu'on peut un peu parler d'Abidjan pour être comparé à Weblogy? On est dans les journaux. Pardon? Les journaux sur un ordinateur. Vous tombez... Vous tombez... Non, c'est le même mot qu'on n'a pas répété. Vous tombez à 12. C'est des jokers quand même. Vous tombez à 12. 56 secondes. Quand on va l'un ou l'autre comme ça... Vous tombez à 12. Je vous donne la possibilité de refaire un autre tour avec un autre représentant, de part et d'autre. Ça ne peut pas être le même. Ce sera qui du côté des Seals? On va commencer cette fois par les Rangers. Arthur Longeville. Arrête-moi si tu peux. Barvo, parfait. La formule est bonne. Top chrono. Arthur, ça va? Bien. À l'état civil, ça donne quoi exactement? Parce qu'on reste beaucoup sur le Longeville et tout. Pour certains, c'est un fake et tout. C'est quoi exactement? C'est quoi la bonne à l'état civil? Abois Longeville, Samuel Arthur. Ça fait deux fois Abois. Non. C'est vous non. Si. Non, il n'a pas dit à son. Pas possible. Non, monsieur, c'est one-to-one, s'il vous plaît. Oui, pardon. Tu disais? Pas possible. Merci, au revoir. Chier. Vous tombez à 11. C'est beau! J'aime tourner à présent. J'aime tourner à présent vers David. Oh. Qui actionne le buzzer et qui dit désigne. Tout à fait. C'est doux. Donc, arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Parfait. Est-ce qu'on peut actionner le chrono? C'est chose faite. Désormais, deux minutes pour tenir. Edson, David, Tairo. Je crois qu'il y a Arantes quelque part. Non. C'est quoi plutôt? Il y a un prénom caché. J'ai déjà tout dit. Je n'ai pas saisi. Ils sont aussi habiles, il faut qu'ils entendent ce que tu dis. Hein. Non, quand on gagne deux secondes, on rajoute 10 secondes sur le total, hein, pour info. 3 minutes. J'ai déjà passé par là. Tu as dit, j'ai déjà tout dit là, j'ai déjà passé par là. Non. On dit pas j'ai déjà tout. J'ai déjà. Il tombe à 22, ce sera tout pour le arrête-moi si tu peux. Une minute, deux, c'est trop long. Bon, allez, pour la première fois, les compétiteurs vont fixer les règles. Maintenant, oui. Deux, c'est trop. Franchement.